Et salut tout le monde, c'est Brudaf, toujours en compagnie de Slan, comment vas-tu? Bah ça va super, ça va super. J'étais On en train de avance bien. Bah non seulement on avance bien, mais j'étais en train de penser à un truc, c'est comme ça un serveur, entre les sessions, et bah nos coffres ils vont se Ouais. remplir, donc ça va accélérer un petit peu la série. Donc de temps en temps, entre deux épisodes, vous allez nous voir revenir avec des coffres pleins à bord, tout simplement. Parce que si on laisse passer genre 5 ou 6 jours entre deux sessions de tournage, autant vous dire que ça va être bien bien plein les coffres. Ouais, alors pour l'ascenseur, je t'ai mis les câbles, je vais te mettre les plaques parce que j'avais été faire les coffres. Ouais. C'était combien? 250. Oh, font chier. Alors, ascenseur, c'est Alors. parti. Donc, il me manque 250 plaques, 500 béton, 400 barres de fer. On y va. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, ça, c'est bien. Barré, hop. 200. Eh, hey, il m'a pas mis les 50. Je voulais 50. Il y a 229 béton déjà là à côté. C'est cool. Hop là. Alors, je saute pas assez haut là, une fois un exosquelette ou un truc du genre. Mais je comprends pas comment il se débrouille et son truc. Peut-être que je triche. C'est pareil, voilà, il m'en met une à part. Il en met moins que ce que je lui demande. Bon, bah, tu sais quoi? On va te mettre toutes les plaques, j'irai en rechercher. Voilà, t'as les plaques pour. T'as les fils, tu les as déjà pris. Alors, je réessaye de faire l'ascenseur. Il me dit qu'il manque 500 béton. Alors, non, mais j'en ai 335, d'accord. Il manque des tiges. Alors, j'ai 856 plaques. Tu veux que je t'en rende quelques-unes? Non, c'est bon, là j'en ai un petit peu. Oh, remarque, ouais, je veux bien quelques plaques. Ah, bah oui, parce que là, Mets-les bon. dans le coffre, je vais venir les prendre. J'ai mis 400 plaques dans le coffre. Merci. Il me faut des tiges et 150 béton. Ouais, en 150. fait, t'avais toutes les plaques qu'il y avait besoin, j'avais pas besoin de les mettre dedans. Donc je vais faire 150 barres de fer. Je vais les faire à la main. Parce que j'ai des lingots sur moi. Et les 150 de béton, je vais aller chercher du calcaire. Bah, j'ai du calcaire encore sur moi, je vais t'en faire. Bah tu peux aller récolter le calcaire qu'il y a dans le truc et venir me le déposer, je le transformerai moi-même. Il n'y a plus de calcaire. Ah bah je te laisse mon calcaire alors. Merci. T'as mis à fabriquer à la main. Oui, je vais faire. Parce que toi, t'es parti justement t'occuper du cuivre. Ouais, je vais aller augmenter la production. Je vais aller chercher le béton qui est dans le coffre là de la deuxième mine. Je crois qu'il n'y en a pas. Hein. Ah oui, si, il y en a 130. Hein. Ah! Ok. Bah alors, je peux arrêter de faire du béton. Quoique, ça sert à rien, je garde du calcaire sur moi. Il faut que je fasse des tiges. Des tiges, des tiges, des Voilà, tiges. je te l'ai posé. Attends, je vais t'en récupérer quand même un petit peu. Hop, hop, hop. Bah, je vais en avoir besoin si je veux faire une mine. Bonne raison. C'est tout pour moi, c'est la règle. C'est cela, oui. Donc là, je pense que je manque encore un peu de tige. Il n'y a pas trop de lingots dans le coin. Il faudrait que je trouve un endroit où les lingots ils Je vais en stagnent. profiter pour aller tirer le câble indirect. Oui, il me faudra des fils de fer, enfin des fils de cuivre aussi. Alors, du fil de cuivre, j'en ai sur moi, mais. Non, non, mais j'en ai dans le. Ah, il y a 200 barres ici, c'est cool. Bon, bah d'accord. Dans ce cas-là, ascenseur orbital. Il me manque le béton. Tu m'as dit que tu le déposais. 65, C'est déposé. c'est pas assez. Non, mais j'ai pas été chercher dans le coffre de la première mine. Non. Non, mais je peux faire ce qui manque. Je me souviens plus s'il doit être alimenté en électricité, l'ascenseur orbital. On va voir ça. De mémoire, je ne crois pas, en tout cas pas au départ. Façon, je vide tout le calcaire que j'ai.
ça a rien d'entassé. Hop là. Donc là, je peux faire un ascenseur orbital. Parfait. Ce que je vais le faire là. Je crois qu'il y avait une bestiole là, à cet endroit-là. C'est quoi ça? Hop là, faut monter ici. Ah, t'es parti loin, toi. Moi? Non. T'es parti vers le nord, ok. Je devrais peut-être faire des fondations aussi. Du coup, il va sûrement me manquer. Voilà, une foreuse. Hop. Alors, le mode par défaut, comment est-ce qu'on change ça déjà? R, zoop, voilà. Très bien, l'ascenseur orbital, il prend quelle taille? Bah, il me dit qu'il manque du béton. Oula, je vais mourir moi si je fais ça. Chercher la petite limace. Ah oui. Là, je pense que c'est assez grand. Par contre, j'ai ravagé mon béton. Aïe! C'est moi qui me battais. Comment tu peux dire aïe? Bah, c'était un oui alors, dans ce cas-là. J'ai sauté. Ouais, tu t'es vautré, quoi. Non, j'ai sauté. J'ai sauté, mais je pensais que par là, tu vois, ben... Mais en fait, non. Eh ben, tu pensais mal, visiblement. Ouh, c'est pas la première fois que je pense mal. Bon, par contre, j'ai pas assez de calcaire, là. C'est vraiment problématique, hein, parce que du coup, je peux pas le faire mon ascenseur. J'ai juste voulu faire des fondations en dessous, et pouf, ça a tout foutu en l'air. Il ouais, faut que j'attende un peu. Pas le choix. Je pourrais mettre en pierre, je pourrais récupérer ça. Allez le mettre à cuire. Ici. Récupérer des lingots et on ne peut pas faire de béton. Il faut attendre que ça arrive. C'est lent ton béton là. Hein, ah, c'est pas les meilleurs spots de béton qui soient. Ah, oups, tombé. Bah voilà. Donc, mais moi je me suis pas fait mal. On est d'accord que tu as deux endroits seulement où tu fais du béton, hein, pas trois. Pour le moment, ouais. T'as pas mis des fourreuses quelque part ailleurs? Non, pas encore. Ce sera après le cuivre. Ah, 350 mètres là-bas.
Ça fait un peu loin. Oui, il y en a un petit peu partout du béton. Allez, il me manque 6. Ce qui est dommage, c'est qu'il nous informe pas de la qualité du gisement. T'as qu'à avoir des meilleures lunettes. Allez, encore 2. Encore un. T'aurais pu mettre une limace là-dedans, non? J'aurais pu. Après les limaces, je viens de récupérer la deuxième, là, je crois que c'est tout, hein. Ouais, tu glandes. Oh, qu'est-ce qu'il ose me dire, quoi. Bah écoute. 2 limaces, quoi. Et recherche du MAM, c'est tout fini? Non. Alors, des fourneaux. C'est gros ça quand même. Il veut des plaquages intelligents, il en veut 50. Ouais. Et Je sais pas si on peut refaire des recherches. Est-ce que ça a débloqué? Non, non. Terminer la phase 1 de l'ascenseur orbital, ouais, c'est ça. Faut faire 50 plaquages intelligents. Allez, on y va. Vous jouez depuis 2 heures, faut que je boive. Ah, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut à côté de moi. Même pas besoin de me lever. Qu'est-ce que tu crois? Bon, les plaquages intelligents, je parais que ça se fait que dans les assembleuses à tous les coups. Il me faut 4 rotors, 8 plaques. Oh, bah alors. Les rotors, c'est où? Tu devrais faire attention à ton énergie parce que ça va piquer. Oui, j'essaie de finir vite fait ça. Toi qui vois. Ça qui va m'empêcher de piquer, je te le dis. On va peut-être mettre ça là. M'en doute bien, je m'en doute bien. Voilà, j'ai doublé la production de câbles. Maintenant, faut que je fasse des lingots là. Hop. Des lingots là. Avec les lingots. Hop. Donc ça va consommer 30 mégawatts de plus. Ah non, pas tout de suite. Ah, t'es mignon toi. Alors 15. Non, parce que là, je suis déjà en train d'augmenter la consommation. J'en fais 30. Non mais moi je suis obligé parce que c'est des trucs que je ne peux pas faire à la main. Il faut que ça Oui, soit fait dans mais l'assembleuse et c'est ça qui me bloque. Si je fais pas ça, je peux plus rien faire. je comprends, je comprends. Donc j'irai couper des trucs au pif, hein, sinon.
On y va. Je vais préparer les ressources déjà pour les mettre dedans. Donc on y va. Pour faire 50 plaquages, il faut... façon, j'ai pas là, j'ai pas de quoi finir mon setting donc. Il me faut 50 plaques renforcées, 50 retors. Donc déjà, je vais faire ça à la main, les 50 plaques renforcées et 50 retors. Et après, on verra. Donc. Je rêve d'un moment où on aura des explosifs qui permettent de virer les décors. Ah oui. Je te comprends, je te comprends. Et puis aussi, je veux creuser jusqu'à la lave pour ramasser des diamants. T'es pas sur le bon jeu. Ah ouais, dommage. Je trouvais super ça comme idée. Faut que j'invente un jeu où on puisse faire ça. Alors, plaque de fer renforcée, c'est pas encore ça, dis donc. Ah, tu viens de passer prendre du béton, toi. Ouais, j'ai pris tout le béton. Alors, il me faut des plaques de fer. Alors, ici, on va poser ça. Poser ça. Bon, bah, j'espère qu'au moins, je peux avoir des plaques, des tiges et des trucs comme ça, si tu veux que je t'augmente, la production d'électricité. Je viens de tout ramasser. Oh. Il prend tout, il me laisse rien. Alors vraiment tout, et je sais pas ce que je peux te donner. Bah a priori, tu vois, j'ai pas assez. Oui, non, mais de toute façon. Donc là, il me manque. Alors pour faire 50, il faut. Façon, là, faut que je... là, je suis emmerdé pour augmenter la production d'électricité avec mon setting parce que. T'as pas la place? Alors attends, non, non, faut que je réfléchisse à un autre truc d'abord. C'est pas la place le plus problématique. Après, moi, je vais peut-être te débloquer le charbon rapidement, hein. Parce que, au pire, si je peux pas mettre les deux assembleuses, j'en mets qu'une. Donc, ça fait quand même que 15 mégawatts. Je peux couper la production de fer temporairement. Ou une Non, partie non, de la c'est que. production de fer. Donc, ça devrait passer, hein. Je peux aussi. Tu sais quoi? Je peux raccorder les 40 mégawatts qui sont. Tu sais quoi? Je vais raccorder les 40 mégawatts qui sont là. Ouais, mais le problème est pas là en fait. Bah, est-ce que tu peux me remplir de biomasse les deux trucs du. Les deux trucs Non, du. là je suis sur le. Je suis en train de refaire le setting des D'accord. générateurs. Et ben moi Parce ce. qu'en fait, je distribue pas correctement. D'accord. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais relier les deux générateurs, je vais faire un peu de biomasse et je vais pouvoir lancer mes assembleuses. Parce que Alors. j'ai besoin de 30 mégawatts et je peux en produire moi-même 40 tout seul à la main. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7. Il va me falloir au moins 9, je pense. Tout ce que j'ai à faire, Débrouilleur. c'est mes 50 rotors. Le truc, c'est que si je règle les assembleuses, je pourrais les faire à la main. Je vais faire mes 50 rotors à la main. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qui s'est passé. Ah, j'ai mon petit setting à moi tout seul. Alors, répartiteur, hop. Production de rotor. Faut débarrer des vis. Paf. Donc j'irai faire les vis. Là. Très bien. Donc c'est parti. J'ai juste à mettre de la biomasse là-dedans. Essayer de les aligner quand même, les répartiteurs. Pour le numérotor, il me faut combien de vis? 25 x 50, 1250, c'est reparti. Faut que j'aille voir s'il n'y en a pas d'avance.
Pas étonné qu'il y en ait un peu d'avance. Par contre, il y en a 128. T'as des vis? Un petit peu. Un petit peu, ça m'intéresse pas. Alors, si ça t'intéresse pas, je ne peux rien pour toi. Ah, il m'en faut 1250. Alors, si tu en as 75. J'ai un peu plus que 75, mais j'en ai 284. Ah ouais, ça m'intéresse alors. Si tu passes par là, tu me les déposes, sinon c'est pas grave. Voilà, toi, tu fais celui-là. Voilà. Et je vais mettre un deuxième truc de biomasse en bois. Ah, il me faut des plaques renforcées. Ouais. Alors des 400, et je vais pas t'en donner une seule. Ouais, t'abuses. Non, j'en ai que 50 et elles servent à faire le. Elles sont déjà dans l'assembleuse qui sert à faire les 50 plaquages intelligents. Malheureusement. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais Mais me t'en faut débrouiller. combien? Parce que je peux en faire là. Moi j'ai ce qu'il faut. J'ai de quoi en faire là une dizaine. D'accord, bon bah si t'as ce qu'il te faut, je continue avec mes vis, je continue avec mes trucs. 4 rotors, hop. Combien de rotors par minute? 4 par minute, très bien. Le plaquage 2 par minute, ça va faire 25 minutes pour l'instant. Après, ça fera un peu moins. Voilà. Ce qu'il me faut surtout, c'est ma réserve secrète ici. Ah bah elle avance pas vite. Après, j'ai beaucoup de lingots, moi, si tu as besoin. Non, non, c'est bon. J'aurais peut-être mettre un petit constructeur manuel. Ouais, je vais faire ça. Biomasse en bois, voilà. Est-ce que j'ai du bois sur moi? Ouais, il y en a un. Hop, ça va pas aller loin. Ok, bon bah Ah. je le coupe et je redémarre. Pourquoi je peux pas redémarrer? J'ai pas accès à l'interface de redémarrage. Ah bon? Ah, parce que c'est mon setting à moi. C'est mon petit setting perso. Bon, moi, j'allais couper du bois pour pouvoir faire l'énergie. Bah pareil. Pareil, pareil. C'est mon petit setting perso et je sais même pas comment on divise des piles. Donc du coup. Tu restes appuyé en clic droit dessus et après tu peux choisir le montant. Ça là-haut, je vais aller couper quelques arbres parce que j'ai mon petit setting perso, mais bon, j'ai pas ma biomasse perso, du coup ça marche comme ok. Ah, il y a un crasheur. Fuis, Non, je le défonce. mais c'est pas logique.
On est doué ou on l'est pas, hein. Ah, il y a même une serre de mercenaires. On voit des mercenaires. Devrait suffire pour démarrer. Voilà. Aïe. Je suis pas mort. Bien, donc. Du coup. On va faire tout ça vite fait. Ouais, je peux faire 9, je peux faire 1300 de biomasse, donc ça devrait suffire là pour le coup maintenant. Ah, pour les deux petits générateurs, ouais. Et surtout si on peut les mettre que par 200 quoi. Ça me laisse un petit peu de marge. Manger un petit coup. Toujours tout faire à Alors. la main. C'est vraiment pas logique tout ça. Plus j'optimise, plus j'industrialise, plus de toute façon je fais tout à la main. Et ouais. Nickel. Donc j'avais un constructeur. Ah oui, je voulais me mettre ici. Bien, du coup, en capacité, on a 270 mégawatts et pour l'instant, en consom max, on est à 134. Donc, je vais Oui. pouvoir aller finir mon Alors, setting en de. grosso max, il faut que tu rajoutes 40. Hein. Moi, je 45, 35. Ouais, bah, on est quand même largement bon. Ça roule. Tiens, est-ce que j'ai des trucs à aller regarder? Oui, j'ai ça à débloquer dans le MAM. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? The remains researched belong to an organism that Je sais tends pas to trop. nest near objects emitting specific types of resonance. Spitters are called as such due to their ability to create and spit plasma across long distances. Spitter remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Je pense qu'il faudrait que je fasse maintenant mes rotors Power à la main. slugs extract latent energy from their surroundings to sustain themselves. By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static. Mercer sphere analysis completed. Established local planetary signature of Ça, je massage 2, peux. AB, Ça, je peux. B, in the local Mercer sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer spheres can also transmit data between specific. Oula. Elle dit des choses bizarres d'un coup, Ada. Of intelligent alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. Il y a un truc avec les extraterrestres. Hein. Ouais. Ça pique. Donc ici, 30 par minute.
15 par minute, donc je peux en faire 4. Hop. Bon, moi j'ai fait 7 plaquages intelligents sur les 50, mais là maintenant j'ai les deux assembleuses qui tournent dessus. Est-ce que je peux relier ma production à ta production? Je présume, oui. Je t'avais dit qu'il y en avait une centaine de RAB. D'accord, mais c'est bon. Bon, on va vite être fixé, hein, de toute façon. D'accord, sachant que... Pourquoi ils me les mettent de côté? Voilà. Maintenant, je vais arrêter ma production d'énergie. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que du coup, je vais pouvoir te filer 1200 de biomasse. Ah, je les ai collés. Je les ai trop collés. Hop. C'est que tu as la touche contrôle. Ah oui, mais non, c'est justement si tu veux pas les coller. Alors j'ai 3 plaquages ici, 4 rotors. 2 rotors. Donc. Il faut encore faire 12 rotors. Quand même faire la biomasse d'abord pour être tranquille. Alors, les rotors, je ne peux pas en faire parce que j'ai pas d'X. Par contre, ici, je dois avoir plein de barres. Et là aussi, je dois en avoir un petit peu. Non, c'est des vis. Ah, excellent. Si ça se trouve, je peux faire mes 12 rotors direct. Non, la moitié, c'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Je fais 158, après je fais les rotors. Après je lance les assembleuses. Comme tu as l'air d'en avoir fait plein, je vais rajouter deux assembleuses de plus. Temporairement. Non, j'ai rajouté juste deux générateurs. Hein. Oui, bah ça suffit. Hein. C'est un générateur, ça couvre deux assembleuses. Ouais, mais là j'ai augmenté aussi l'utilisation puisque j'ai augmenté la production de cuivre. Bah, je peux toujours remettre de la biomasse dans mes trucs alors. Donc faut checker. Je te dis pas que tu peux pas, mais. Non, mais si je reconnecte mes générateurs perso, c'est sûr que ça passe. Allez, hop. Voilà, donc là je vais faire 60 fils électriques par minute et 60 câbles, en plus des 60 qui sont que... Et on est parti. Voilà, et maintenant il va falloir que je stocke ça.
Du coup, je vais peut-être lancer les plaques. Je pense que ce serait ce qu'il y a de mieux. On va faire ça où? Allez, 27. Donc là, dans 5 minutes, c'est fini. Là, dans 6 minutes, c'est fini. En consommation, on est à combien? On est à max 180 sur 310. Bon, on est bien. Tu as 270 sans moi, donc allez, je vais lancer la troisième mine de fer et faire tout le setting pour que derrière ça me sorte Et moi, je vais des... aller chercher du calcaire en plus. Ouais, pourquoi pas. Après, ça commence à stocker un peu. Où est-ce que je vais aller mettre cette production? Bah, je pourrais utiliser les assembleuses qui sont là. Du fer, j'ai 2 mines de plus ici, s'il y a besoin. Bah, je te dirai. Je vérifie, c'est de l'impur, et celui-là, c'est de l'impur. Ces deux impurs, ça n'a pas changé grand-chose, je m'explique. Non, est-ce que je me mets là? Je vais me mettre là, ouais. Parfait. Donc, lui. Ça, c'est du calcaire normal. Ça, c'est plutôt cool comme normal. Production foreuse, hop. D'alimentation. Ah, faut que je le débarrasse avant, ok. Je retourne à la maison. Ça fait des vis. Une foreuse, hop. Alors, combien tu produis, toi? 60 par minute. Donc, on va faire deux au fourneau. On va s'installer là. Éventuellement sur quelques fondations. Voilà, donc la mine est connectée. Sans cette production de calcaire, je pense que je vais la ramener jusqu'au stockage de calcaire. De soucis. Alors, des constructeurs. Ah, je peux en faire qu'un seul pour le moment. Il va me falloir des plaques.
Je suis bête, j'ai pas besoin de retourner. Normalement, si je fais un petit établi, j'ai de quoi me faire les plaques manquantes. Allons-y. Et ces productions, les deux fourneaux. Ensuite, organisation, tour d'observation, c'est rigolo ça. Ah, des tremplins. Je dis qu'il faut faire des tremplins. Quasiment certain Hey, qu'il il faut nous faire des tremplins. gonfle avec ses tremplins. Je suis pas sûr, mais je suis quasiment sûr. L'impression que c'est une étape très importante, les tremplins. Bon, quand est-ce que tu nous amènes du caterium là? Parce que j'en ai un peu ras les fesses, moi, d'essayer. Pour l'instant, on peut pas le chercher, je te le rappelle. Pourquoi on pourrait pas? Bah, parce que c'est après ta phase 1. Mais non, c'est dans le MAM. Ah, bah Rien écoute. à voir. Voilà, alors, le groupeur. Très bien. Bon, alors maintenant, si je veux faire des plaques. Regardez un petit peu mieux comment ça marche tout ça. Là-bas, il y en a un qui est jaune, l'autre qui est vert. Ça veut dire que ça doit être presque fini. Et que je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, j'ai augmenté de 60 par minute la production de béton. Et moi, je viens d'augmenter de 60 par minute la production de fer. Je suis en Ah train non, je dis des conneries. Je dis des conneries. Parce que c'est 60 que je produis de calcaire, Ah oui, mais... donc ça fait une vingtaine de béton. C'est 45 pour 15. Oui, c'est-à-dire 1 pour 3, si tu augmentes de 60, tu fais 20 béton. Donc ben voilà, on approche de la fin de l'épisode et moi je vais envoyer. Ben, ce sera pour le suivant, la fin Ben non. du calcaire. Ah oui, le calcaire, oui. Ah, quoique, il reste encore 2-3 minutes. S'il y a des plaques accessibles pour moi, je peux finir de ramener ça. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 1 project part shipment is now ready for delivery. On delivery, Phase 1 will be completed and the distribution platform will be constructed. After completion of Phase 1, the technologies of Tiers 3 and 4 will become available in the hub. Highlights are automated power, steel production, personnel transportation, and many more. Completing phase 2 of project assembly is your next main objective. New project parts will need to be produced and delivered to the space elevator as you have done previously. Continue to construct, automate, explore and exploit for a better fix-it future. Bon, quand est-ce que j'ai accès au charbon? Maintenant. Phase 1 of project assembly completed. Non, il y a une This is recherche à only the faire avant, je beginning of crois. project Oui. assembly. Bah, The je suis en first train de te step la towards remplir, ta saving the recherche, day. t'inquiète. You have performed adequately so Ah. far. Reminder, not only is Fix-It saving humanity, it is saving all of Earth, including kittens and puppies. It is statistically likely that you appreciate the continued existence of kittens and or puppies. Alors ça va être un tout petit Continue peu the work plus for long their parce sake. que j'ai Continue the l'intention work de for faire les Fix-It. 150 It is time plaquages to start the work avec on phase 2 of la project manufacture de assembly. plaques. Donc je vais pas les faire à la main. Je te ferai les rotors à la main ou t'as qu'à faire les rotors si tu veux. Mais moi je vais aller faire la manufacture de plaques de façon à ce que ça commence à sortir des plaques pour qu'on puisse poser des tapis MK2 ensuite. Elle sera pas forcément très grosse. Au début, elle va fonctionner avec 60, donc je vais voir pour l'optimiser un petit peu plus, peut-être produire plus. Tu m'as dit que tu pouvais me ramener du fer, donc je pense que ça va aller direct dans la production de plaques. Voilà. Ok.
Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la vue de Slan si vous avez commencé par la mienne ou l'inverse. Mettre des pouces bleus, des commentaires, partager les vidéos, tout ça, ça aide au référencement. Et puis bah nous, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus tout le monde. Et surtout, après 3 épisodes de Bar d'Espace, je vais enfin pouvoir commencer à m'amuser un petit peu et à me balader. À plus tout le monde. À plus tout le monde. Ciao Slan.